Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez inscrire rapidement vos étudiants dans un espace de cours de la nouvelle génération de la plateforme Moodle. Donc, vous avez au niveau de votre espace de cours, au niveau du panneau ou bien au niveau de la barre de tâches, vous avez l'icône participant. Donc, au niveau de cette icône ou bien de ce lien, vous avez la possibilité de visualiser tous vos participants ou bien tous vos étudiants. À partir de cet endroit, vous pouvez bien sûr les ajouter, soit manuellement, c'est-à-dire en allant cliquer sur Inscrire des utilisateurs. Et dans ce cas, vous pouvez bien sûr chercher l'utilisateur soit par son nom, son prénom ou bien par son adresse mail. Par exemple, là, je vais utiliser un participant que je vais par la suite lui attribuer le rôle d'un étudiant ou bien d'un apprenant. Et donc, je vais l'inscrire dans un cours. Bien sûr, on peut aussi gérer l'inscription en limitant la durée d'inscription à quelques jours ou bien à une année en fonction de nos besoins, et de démarrer l'inscription à partir d'un moment donné en fonction de nos besoins, bien sûr. Il est possible aussi d'inscrire les apprenants autrement, en allant par des clés d'inscription, bien sûr, en allant vers la partie qui est où vous allez trouver, bien sûr, utilisateurs inscrits. Vous allez initialement vers les méthodes d'inscription. À ce niveau-là, au niveau des méthodes d'inscription, vous allez vers auto-inscription des étudiants. Normalement, elle est désactivée. Pour l'activer, vous devez cliquer sur l'œil qui est là ou bien aller directement à la roue dentée pour paramétrer ou bien pour intervenir au niveau de d'autres paramètres. Donc, je vais aller vers la roue dentée. Donc, au niveau de la roue dentée, je vais autoriser les méthodes d'auto-inscription, donc en cliquant sur Oui. À ce moment-là, je vais permettre l'inscription à des utilisateurs, mais l'inscription peut être à n'importe quel endroit de la plateforme. C'est pour cette raison que je vais ajouter une clé d'inscription qui va sécuriser mon espace de cours que je vais pas divulguer aux étudiants. Donc, par exemple, là, c'est une clé qui n'est pas facile à détecter. Et par la suite, vous avez juste en bas, utiliser les clés d'inscription au groupe. Et là, on va la renseigner par oui pour permettre aux étudiants de s'inscrire au groupe. Donc, on a activé, si je clique sur Enregistrer, j'ai activé l'auto-inscription. Donc, vous voyez maintenant, elle est activée. Mais il me reste d'ajouter un groupe dans lequel je vais inscrire mes étudiants. Pour cette raison, je vais aller vers Groupe. Et au niveau du groupe, je vais créer un groupe. Donc là, par exemple, je vais créer un groupe. Je vais l'appeler, par exemple, Groupe 5. Donc, ce groupe, je vais lui attribuer une clé d'inscription. La clé d'inscription doit respecter un certain nombre de critères avec des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux avec des chiffres, bien sûr. Par exemple, je vais utiliser, par exemple, Tunis, at 2023, étoile. Donc là, on vérifie ensemble. Voici, par exemple, une clé d'inscription que je vais attribuer à, voilà. À ce moment-là, j'ai une clé ou bien j'ai un groupe qui est appelé le groupe 51 avec une clé d'inscription que je vais donner à mes étudiants. Une fois mes étudiants saisissent la clé Tunis at 2023 étoile, donc ils vont atterrir tous au niveau du groupe 51. Et donc, de cette façon, j'ai pu les inscrire massivement dans un groupe que je vais par la suite utiliser pour assurer mon cours. Voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Je reste à votre disposition si vous avez des remarques ou bien des questions. N'hésitez jamais à
suivre cette page afin d'être à chaque fois notifié par les nouvelles créations de la page. Merci.